Scotchman, une actualité brûlante. L'actualité brûlante comme la brûlure que je me suis fait hier sur le bois de pied, je t'explique, ne cuisine pas pieds nus toi qui es là. T'es en Kanzvar, tu fais du camping, je sais bien, tu sors de la bûche, t'es en claquette, pas de galère. Si tu te fais une petite pasta ou un petit bacon, dis-toi bien que la petite goutte d'huile qui va sauter, où est-ce qu'elle va atterrir mon frère? Entre tes deux doigts direct juste ici. Ouais, faut faire gaffe. Et t'auras l'espèce de double cloque si l'huile n'est pas très chaude. Et triple cloque si l'huile est très bouillante, tu te une cloque entre les deux pieds. C'est super bon. Tu sais que j'ai une propre radio, tu sais très bien. J'ai radio double flash flash, mon frère. Radio double flash flash depuis toujours. 10 ans qu'on essaie de la connecter dans le présent. Elle est exclusivement disponible dans le futur ou dans le passé. Pas dans le présent. Ouais, dans le présent, on peut pas le trouver. Il n'y a pas les bonnes connexions, il n'y a plus de Péritel. Il y aurait encore des connexions Péritel, on pourrait connecter ça à une USB. Via une carte SD, connexion iPhone, iTunes et peut-être derrière Instagram pour l'écouter en fin de compte en mini jack dans un micro comme ça. La cuisine, la vie, mec, la vie, la tienne aussi. Quand je vois l'estomac, ah, mon frère, tu t'as bien mangé. Je suis un sacré gourmand. Donc, métier d'avenir, métier du futur, les robots ne nous remplaceront pas. La technologie ne pourra rien faire de plus que ce qui a été fait avant. Jamais on pourra pas imprimer un steak par exemple. Mais on pourra pas imprimer un steak, mec, ça c'est clair et net, on pourra pas l'imprimer. Au pire, on pourra mettre du sang sur une feuille blanche, comme un peu un espèce de buvard de LSD, ou comme un peu une bonne lingette de vieille chinette de tu vois, un truc qui sort bien. Mais évidemment, on ne pourra rien faire de plus que cuire un steak pour le manger, ou le manger cru, c'est mort. Parce que c'est le projet secret de Scotchman. Le projet secret, c'est 2019, frérot, un restaurant dans Panama, mec, un restaurant, t'auras jamais vu, mon pote, des trucs que tu bouffes plus. D'ailleurs, ta grand-mère, elle est morte, t'inquiète, je t'en fais les mêmes recettes qu'elle. Ta mère est morte, je refais les mêmes pâtes qu'elle. Tout ce qui est à l'ancienne, tout ce qui est oublié, Bocuse est mort, je refais du Bocuse. Robuchon est mort, je te fais un mix-up entre Robuchon et Bocuse chez Scotchman, mon frère. Robuchon, je crois, qui a été enterré, et dans son cercueil, ils ont mis un bouquet garni. Mais c'est peut-être possible. Que les mecs, tu sais, qui passent autour du cercueil, et il y a un cuisinier qui a mis un bouquet garni dedans. Moi, blague à partir avec. Moi, je pense que c'est vrai, cette histoire. Parce qu'un bouquet garni, ça veut tout dire, en fait, tu vois. J'en suis sûr que c'est vrai, j'ai renseigné. Je connais des proches de Robuchon, je vais me renseigner, je suis sûr que c'est vrai, ça tue. Ça tue, mais ça tue. Tu veux être enterré avec un bouquet garni? Peut-être pas un bouquet garni avec d'autres trucs, d'autres produits, mais je sais pas. Je sais même pas si je vais être enterré, moi. Maël, bête de collier puma. Sortir. T'as un collier de puma, non? Alors, pardon. Pudine, excuse-moi. J'ai écrit marre, pute, excuse-moi. Alors, explique-nous ce collier. Qu'est-ce que c'est ce collier? C'est comme ça qu'elle l'appelle le Joker. D'accord. Nous le t-shirt. Wow. T'es de ouf, là tu m'as cassé une cervicale et une jugulaire. Coachman. Ah, j'adore les aigles royaux. Tu connais les attaques d'aigles royaux? Non, je connais pas. Alors t'explique, meuf, t'es sur une montagne. Écoute, ça t'intéresse? Tu t'en branles en fait, discute entre vous. T'as une montagne, t'as un espèce de chamois qui est là. Le chamois il est comme un genre. Il te bat la montagne. C'est un chamois, alors on est un chamois, 80 kilos toi. Et là il y a un mec qui arrive, il fait comme un de chamois, il se prend un aigle de 2,50 m dans la gueule. L'aigle il le fait béton sur 250 mètres. Waouh! Le chamois est béton par terre, comme as. L'aigle arrive gentiment, il fait comme ça. Il part. Et il embarque le chamois, mon frère. Waouh! Ah, et le chamois en entier, quoi. Et par contre, en MP3, il a The Eagles, Hotel California, et il ride sûrement le mec. Rolling Stone. Je ne connais pas tout type de merde. En plus, je crois que ce morceau, il est dans le film où il y a Harley Quinn. Oh, t'as aucune excuse. Le spécialiste Johnny. Il Shazam, mec. Il te Shazam. Ouais, il Shazam. Fais pas genre. Tu mets ton Shazam pour faire voir. T'inquiète. Le double clic pour revenir sur le truc, on la connaît. Toi avec tes lunettes, t'as perdu un sac, mon frère. Regarde. Prends le vite. Ouais, vas-y, Il y a un Kebri si tu veux, il y a un Kamersa ou une télécommande Samsung, tout à la même télé. Tu penses quoi? Qu'est-ce que moi je gagne? Est-ce que je gagne le collier pute? Non, c'est un collier poudine. Ah, poudine, t'as géré. Poudine, excuse-moi. Attention, mec. C'est mort. Ça marche bien. Est-ce qu'on peut t'accompagner sur ton morceau? Parce qu'on l'a écouté hier, on a kiffé de ouf. Parce que vous le savez pas, mais c'est une sorte de petite caméra cachée en fait. C'est un talent cette Laetitia. Il y a une caméra. Vous êtes tous là, vous kiffez, mais quand elle va envoyer, elle fait la moyenne, genre oh, je sais pas chanter. Ah, c'est là qu'on en a parlé hier. Dans ton frigo, n'a plus peur, je ramène des salades, des tomates, des courgettes, même des troncs de jambon, un peu de dinde. Oui,
un peu de moutarde, un peu d'huile dans ton frigo, du coca, des glaces sur croix en moi, Laetitia. Je t'aime ou pas, je ne le sais pas, mais un jour tu sauras ou tu ne sauras pas. Ce qui est sûr entre toi et moi, c'est que je t'aime, ma petite Laetitia. J'arrête de te voir. J'arrête, on sait que tu seras là ce soir. J'arrête de te voir. On est tout là pour toi. On est tout là pour toi. J'arrête de te voir. J'arrête de tout se lever tôt aujourd'hui pour aller écouter Scotch Man et Grand Family. Qu'est-ce qui se passe? On est en orange ce soir. Mais mon gars, parce que j'habite à Paname. Mais tu sais, mon gamin, moi ce que je kiffe, c'est les histoires sans fin. Moi ce que je kiffe, c'est les Jordan, les Michael Jordan, les Batman, les Spider-Man, tout ce qui est la famille Batman. Allez les bleus, les étoiles, champions du monde, tu peux pas nous mettre sur le toit du monde pendant 4 ans. Allez, c'est parti. Oh, je connais ça, s'occuper de ton mariage en 2042, mon frère. Oui, et toi, ton gamin, il a bossé avec moi dans un de mes restaurants. Ça c'est 2045-2047. Alors tout de suite, c'est le blind test, une seule note. Il faut vraiment bien écouter. C'est des énormes tubes, mais c'est une seule note. Back in black. Chapeau. Ouais, ça c'est DKR, P2O, BR. Bouga Anthony dans la maison. Michael Jackson. Bien joué. Celui que tu veux. Ou tu, as, le, tu as le plan de rock en scène jusque là, c'est bien aussi ça. Ça là, dans 20 ans c'est chambé ça. Dans 20 ans encadré, ça claque ça là. Cassius. Je l'ai, je le connais maintenant. Le film, c'est des motos mon frère. Pendant des salles de rouge. Pas avec des casques, des visières jaunes. À l'ancienne, ok. Pas de problème, on est à l'ancienne. Je t'explique, mon truc. C'est l'heure de le mettre en beatbox. Et je fais le rappeur pendant même pas 30 secondes. Et on fait l'inverse après, ok. Vas-y, mec, vas-y, commence. Balance, toi, beatbox. Vas-y. Ok, ok. Ok, non, ma faute, ni ma faute, ni ma change. Là t'as dit non, t'as dit n'importe quoi. J'ai dit, je vais gérer le beatbox, il pleura. Maximum d'humilité pour grand famille. J'écris ma négo, toi j'vois pas mon énergie. Ta copine elle est pas serre dans ma lumière. Normalement pas béni, mon cœur de l'obélie. Le dame est piqué l'angé dans mon jardin. Je garde ma case, pour ça j'ai peur aux chiens. Mais les slips pourris, même ça c'est ça. Au moins un cas pour ça j'attends Michael Jackson. Merci à Scotchman, spécialement venu du futur ici au Summer Camp, qu'on retrouve bientôt partout, gros.